Comment je le retrouve, le cadavre de Slan, moi? Salut à toutes et à tous, on est toujours dans le drame, et on est toujours à 3, puisqu'on a eu un décès. Mais tu le retrouveras pas, mon cadavre, laisse tomber. Ah non, je crois que c'est pas la peine, en fait. Et même si tu le retrouves, tu n'oseras jamais descendre pour fouiller le sac, quoi. Ah mais tous les zombies vont encore dans ce sens-là, je vais les suivre pour voir où ils vont. Bah, au coup de fusil. Non, justement, ils vont vachement vers le haut, là. C'est bizarre. Bon, moi, j'aimerais bien bricoler des bagnoles, là. Bah écoute, tu peux y aller tranquille. Ah, donc, hein. Tu m'affirmes qu'ils vont vers le haut. Là, ils vont vers le haut, ouais. Ok, donc vous êtes vers le bas. Parfait. Ah, t'as mis la sirène, dans... c'est ça? Ouais. C'est mais pour t'as ça. Pas idée. T'as pas idée du bordel que c'est. Je crois que j'ai une très bonne idée si, au contraire. On a quand même des idées. T'as trouvé l'ambulance alors? Un endroit où j'ai retrouvé. Mais du coup, c'est pour ça que j'essaie de vous retrouver en fait. Ah mais il pleut en plus. Là je suis sur un espèce de chemin de terre. Moi je l'entends pas hein, la sirène si tu l'as toujours. Moi je fais la station essence là. Ça te dit quelque chose ou... Station essence, ok donc faut... Je sais pas si je vais pouvoir y rester longtemps. T'as fait un coup de klaxon ou autre parce que je vois rien mais par contre ils ont tout changé de direction. J'ai réactivé la sirène. Ok, il faut que tu remontes du coup Moi je suis dans leur dos là, enfin je suis dans le dos, ouais mais c'est facile à dire, ça dépend de lui. T'es toujours dans leur dos. Bah oui, je suis con. Puisque c'est lui qui klaxonne. Je dirais qu'il faut que t'ailles à gauche quoi. Là je vais essayer de retrouver ici. N'empêche qu'il faut pas avoir de remords, hein. J'avais vécu moins d'une journée, j'avais rien fait du tout. Bon, j'ai essayé de rentrer dans un bâtiment pour me mettre en sécurité, mais c'était une idée de merde. Non, t'es pas en sécurité dedans. Je comprends pas le mall pourtant d'habitude, mais on s'est tous dispersés dès le départ. Hein. Ouais, mais ça aurait rien changé, on aurait été ensemble, on était trois, on n'a pas survécu. Bon, en fait, si, bien sûr, quand tu rentres dans une boutique et qu'elle te plaît, tu te mets dans un coin et tu commences à nettoyer doucement. Ne m'écrase pas, s'il te plaît. Fais vite, si peu de préférence. Ah putain, saloperie de bagnole, c'est bon, je suis dedans, démarre. Cette saloperie de truc qui voulait pas bouger. Bon, je me fous tout de suite derrière. Je veux pas sortir, je vais me mettre derrière. Je veux pas changer de sirène. T'es obligé de passer par derrière. Non, mais je rentrerai par derrière, t'inquiète. Si je te trouve pas, c'est compliqué. Ah bah oui, bah je suis... Par rapport au signe, je dirais que j'étais un peu plus au sud de lui, mais on s'est séparés il y a un moment. Je peux essayer de venir où il était, mais je sais pas trop où il était en fait. J'étais à la station essence, mais je sais pas si ça va t'aider. Sinon, j'étais à côté d'un bâtiment, il y a des taxis et une voiture fire en dessous. Tu saurais pas lui dire où était la banque quand j'ai dit où on est à la banque tout à l'heure, non? C'est bon, je vous ai vu passer, bougez pas, je vous ai vu passer. Je suis derrière vous, j'arrive. Ah ouais. recule. Comment on rentre là-dedans? Putain, comment je vais derrière. Vous m'écrasez. Pourquoi je suis sur ces merdes? J'espère que vous êtes pas en train de regarder ma vue là, les mecs. Hein. Vous êtes sur la vue de Stan là? Non, c'est la catastrophe. Je suis mort. J'ai pas compris pourquoi. J'ai voulu me foutre sur le siège arrière et. Putain, le drame quoi. Ah non. Bon, alors, est-ce qu'il y en a un qui a survécu? Celui qui est volant, il est en vie? Ouais. Ah, tu veux pouvoir retourner au Twitch tranquille, hein. Oh putain. Bon, Katox, on compte sur toi pour amener les trois sacs, hein. Ah, c'est pas possible, moi je suis relevé là. Vas-y, bon, cours. Mets ton sac dans l'ambulance. JFK, je reviens. Mets ton sac dans l'ambulance avant de mourir. Oh la vache, quoi. Bon, j'ai survécu. J'ai environ 1000 zombies au cul, mais j'ai survécu. C'est bien. Coucou Damned. Coucou Damned. Salut Slan. Oh, coucou les signes. Putain, vous avez pas idée du bordel que c'est. On cataxe, hein. On compte sur toi pour l'ambulance, les trois sacs, l'équipement, et surtout, t'as la liste de bouquins à ramener, hein. Il y a tellement de zombies que j'arrive plus à avancer. Aujourd'hui, on va vous proposer un épisode où on prend des risques, on va faire jardinage. Avance. On va faire un petit peu de jardinage, on va aller jusqu'au lac chercher de l'eau. Attends, il y avait tellement de zombies que l'ambulance a rebondi dessus. Aïe, aïe, aïe.
Oh la vache, quoi. Mécanique. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec ce là? Mais c'est terrible. Il me faut électricité aussi. Puis menuiserie. Juste le minimum. Pas pourquoi j'ai lu piégeage. Alors, ce qui est drôle, c'est que mon personnage est légèrement soucieux. Ah oh, ça va. Tout va bien. Il alors. Avait littéralement l'équivalent de deux villes au cul. Ouais. Légèrement soucieux. Oh, ça va. Oh, bah, ça va. Je suis dans une mais c'est le personnage de Damned, normalement, qui est censé jamais avoir peur. Est-ce que t'es mort en ayant eu peur ou pas? On l'a perdu, Damned. Mais il a rage quitte. C'est... Oh, on est marre. Me casse. Ah, moi, j'ai essayé d'équiper le fusil à pompe, mais vraiment, j'arrive pas à gérer cette interface-là. Non, mais en fait, la technique au mall, c'est de rentrer discrètement, bien groupé, de pas utiliser les armes contendantes qui font beaucoup de bruit, comme la hache, par exemple, bah, et d'aller se mettre dans un coin de la boutique. Hein? Depuis quand c'est contondant une hache? Non, mais il y a les armes contondantes et il y a aussi la hache qui fait beaucoup de bruit. et après, il faut aller se mettre dans un coin de la boutique et on la nettoie en avançant doucement. Et après, il y en a deux qui bloquent l'entrée de la boutique pendant que les autres fouillent la boutique, quoi. On n'a pas vraiment adopté cette technique-là. Non, mais il y avait de l'idée quand même. On peut pas dire. On aurait pensé à y penser. J'ai pas la menuiserie pour les nuls? Pas grave, m'en fiche, j'en ai pas besoin, d'accord. Bon alors. Alors quoi? Bah je sais pas. Madame Ned, on a parlé de toi mais t'étais parti en fait hein. T'as rage quit. Oui j'ai dit que j'étais FK. Ouais ça t'as rage quit quoi. Ouais on peut voir ça comme ça. Non pas du tout. Attends, on a perdu. Mort, un fusil je voulais savoir si t'étais mort en ayant eu peur ou pas, parce que t'es pas censé avoir peur. Ah non, je suis mort pour la simple et bonne raison que j'arrivais pas à rentrer par derrière. Je dis bah tiens, je vais rentrer du côté du cygne. Et du coup, Katox il a vu ça, il a reculé et du coup il m'a écrasé. T'es mort écrasé. Ah, je suis mort écrasé. Katox, depuis le premier épisode, il rêve d'écraser des gens. J'ai remarqué hein, quand il conduit. Ah non, je suis mort écrasé et après manger, enfin écrasé, blessure sévère et puis après tous les zombies. Ah, c'est dégueu. Ouais, c'est une mort de merde. Et du coup, je suis tout lent maintenant. Je suis déprimé. T'es lent et déprimé. Ouais. Bah, je suis déprimé moi, personnellement je sais pas, et je suis lent dans le jeu. J'ai voulu changer de siège pour que tu puisses rentrer, Damned, et puis mon mec il s'est retrouvé. T'aurais pas dû. J'ai pas compris. Alors, le mec il sort pour changer de siège. Quoi. C'est le gros problème de l'ambulance. C'est qu'il n'y a pas de passage entre l'arrière et l'avant. C'est ça. En fait, et puis moi, comme tu m'avais dit que t'as. Ah oui, non, mais oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de passage entre l'arrière et l'avant. C'est débile. En fait, hein, mais... Il aurait fallu en parler un petit peu avant de comment elle marche l'ambulance. Mais donc, c'est cloisonné entre l'arrière et l'avant. Un peu avant. Et donc... Oui, mais à l'arrière, j'ai pas réussi à rentrer quand j'appuyais sur E. Ah, mais il fallait que je laisse appuyer, peut-être. Oui, tout à fait. Ah, dans la. Et surtout, il faut absolument que l'ambulance soit complètement immobile. Elle était immobile, mais j'aurais dû laisser appuyer pour rentrer. Et comme j'appuyais qu'une fois, il m'ouvrait le coffre. Mais dans la panique, avec 200 zombies derrière toi, tu penses pas à ce genre de détails. Ouais, c'est clair que c'était tendu. Hein. Et comme je joue au son, quand j'ai entendu une porte se claquer, moi j'ai accéléré. Bah voilà. Alors qu'en fait, c'était moi qui sortais. Du coup, tu nous as écrasés tous les deux. On n'a même pas le temps de se relever. On s'est fait défoncer le cul. Bah au moins, ça va plaire. Hein. Les gens vont être contents. Ah, bah, c'est clair. C'est clair. Ah, je regrette d'être mort en premier. Moi, j'ai rien vu là. Hein. Sérieusement, oui, hein. Ne regardez pas ma vue. Allez voir la vue du cygne. Hein. Au minimum, faites les deux, quoi. Bon, moi, j'ai appris tous les livres dont j'avais besoin en urgence. Et moi, je suis lent. Je suis lent. J'ai même plus un point en course. C'est la déprime. J'en avais trois, quoi. Je suis déprimé. Je suis lent comme un cul. Bon, et je voudrais vraiment apprendre à m'occuper des bagnoles et les remettre en état, là. Surtout l'ambulance, va falloir la mettre un petit peu en état, je pense. Et perdu plein de matos, et perdu plein de choses. Ouais, ah bah c'est le drame de mourir. Hein. Ouais. On va faire une expédition. Non? En ville normale, pour récupérer du stuff. Il n'y a pas des fusils d'assaut dans ce jeu là, parce que bon. Il y a plus d'électricité, il faudrait peut-être remettre. Je crois qu'il va y en avoir à la prochaine. Non mais j'aurais peut-être dû prendre quelques grenades. La prochaine fois que je pars comme ça, je prends des grenades et tout. Ouais ouais. Ah, ça t'aurait servi à rien, tu les aurais balancées, t'aurais même pas pu courir assez loin. Bah tu les aurais balancées, elles seraient tombées sur Damned. Bah en fait si, parce que j'aurais pu leur mettre au feu aux zombies. Oh ça aurait été... T'aurais foutu le feu au mall. Ah putain.
La catastrophe, quoi. Mais non, faut pas dire ça. Au moins, on était tranquille, hein. Oh là 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 là. Comment ouvrir la porte? Parce que vous avez verrouillé la porte, en fait. Est-ce que t'es encore là? Quoi? Ah, il arrive. Eh, t'es déjà là? Bah ouais. Attends, hein. Accélère pas, hein. Pourquoi c'est Pourquoi c'est bloqué? T'es devant. Pousse-toi. Il s'est cassé direct, là. Ah, il s'est fait comme moi, il se met en hauteur au cas où. Est-ce qu'on peut sauter sur le véhicule? J'aurais bien aimé essayer, merde, dommage. Sauter sur un véhicule? Ouais, genre sur le toit, est-ce que tu peux monter sur le toit du véhicule? Parce que les fractures, c'est rigolo. Bah non, mais je m'en fous, le personnage, il est pourri, il vient de mourir. Tant qu'à être mort, oui, voilà, on s'en fout un peu, quoi. N'importe. Bah, c'était l'occasion d'essayer, quoi. Donc là, j'arrive derrière l'ambulance, je laisse appuyer E. Eh bah non, même en laissant appuyer E, ça me fait pas rentrer dedans. Ah bah j'ai plus du tout de stuff, moi. Alors comment on rentre par l'arrière, tiens? Bah écoute, c'est le moment de s'entraîner, hein. Même Katox, il y arrive pas. Tournevis. Ah ouais, putain, c'est vrai, qu'est-ce qu'on est lent, la vache, quoi. Clé à molette. Oh putain, ça fait tellement bizarre. Bah en fait, si, tu peux, mais en même temps, tu peux changer de place. Par... Non, ça veut pas. T'es obligé, ça si veut pas. Si je vais à l'arrière. Non, bah, en fait... T'es obligé. Je ressors mais je rentre pas, mais pourtant T'es obligé de ressortir et de re-rentrer. En fait, quand tu veux changer de place entre l'avant et l'arrière, ton perso ressort et re-rentre, mais tu es pas rentré directement par l'arrière. Ouais, mais moi, il est pas tout de suite ressorti, re-rentré, quoi. Il fait le tour tout seul. Ce qui veut dire que, en fait, pour me laisser la place, fallait qu'à un moment tu fasses cette action. Ton perso sorte au milieu des zombies en mode pépère, tu vois, pour aller remonter à l'arrière. C'est tendu quand même. En fait, de base, ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller beaucoup plus loin. Ouais, en fait, l'ambulance n'est pas adaptée au transport de plus de deux personnes. Bah, pas au transport d'urgence en tout cas. Non, voilà, pour le coup, sachant que c'est une ambulance. C'est un peu con, hein. Après, y a pas beaucoup de trucs adaptés au transport d'urgence. Hein. Bah, y a un truc avec des portes à l'arrière, quoi. Des 4 portes qui marchent, quoi. Ouais, c'est ou ça. Un 4x4 noir qui reste dans le parking depuis des plombs. Ouais. Ouais, parce que le mec qui était censé l'allumer est mort et n'a plus les compétences. Bon. Comment dire que l'ambulance était globalement à presque 90% partout quand je l'ai trouvé. Ouais. Les sièges ont pris cher. Ouais, je vais venir réparer tout, de toute façon. Le réservoir après un peu cher. Je m'entraîne pas sur le phare. On a 42% la fenêtre avant droite. En fait, c'est vraiment la fenêtre passager qui a pris un max. Bah, je peux la changer, la fenêtre passager. Franchement, ça va encore. La fenêtre, je peux la changer, ça, y a pas de souci. J'ai bien ça. Ah, je peux tout faire. Non, mais il faut que j'en trouve une du même modèle. Faut que je la démonte et que je la remette. Bah, ouais. Bon, est-ce qu'on parle de l'état psychique de mon personnage? Non, on va pas en parler, il va bien. Il va bien, oh ça. La routine quoi, voir des gens. La routine, ouais, quand on s'approche des murs, ça fait boum boum là, il faut une arme. Eh, mais elle est en super état. Ah bon, je vais faire le tour. L'ambulance. T'as pas aidé. C'est bien parce que je recorde pas, mais t'as pas aidé de tout ce que je me suis bouffé avec elle. À un moment, j'ai avancé, il y avait un mur de zombies. Et littéralement, l'ambulance a rebondi comme si j'avais fait un. Allez, un accident dedans, quoi. Ouais. Ça toc-toc encore ou t'entends plus? Ah bah, tu sais pourquoi elle... Les couteaux de chasse? Tu sais pourquoi elle a survécu aussi longtemps, la fenêtre? C'est une fenêtre à angle à droite, résistant. Dans la cuisine. Ah. Poudre à canon, bah voilà, ça qu'il nous faut. Alors, fenêtre avant, type résistant. Est-ce que j'ai des fenêtres comme ça? Des couteaux là-dedans, non? Bah, c'est bon, je fais le tour. Des couteaux à beurre... Ah, couteau de cuisine, il n'y a pas de chasse. Ou chasse, il faut le réparer. C'est à droite, là. Hein. C'est vraiment dans l'angle, le meuble qui fait l'angle. Ça, c'est des pare-brises. Ah, ouais. Fenêtre avant, j'ai des types standards, moi. Bon, écoute, il est à 42% résistante. Tu peux la laisser, parce que tout ce qu'elle s'est prise, franchement, c'est un tank, hein, cette ambulance. Pas faux. C'est trop tard, je l'ai enlevé. Oh. J'ai une fenêtre standard que je vais mettre, hein. Non? Je vais y arriver. Tu vas voir, hein, ça va pas marcher. Du coup, on aura un véhicule sans vitre. Bah ouais. Non, mais je te connais, hein. Mais non. Mais si. Vous allez voir.
Et voilà, confiance. Là, pour l'instant, elle a pas de vite, mais elle va en avoir bientôt. Mm-hmm. Sans doute. C'est comme tu as dit que la. Un peu comme la. Allez, la voiture noire qui est dans le parking, elle allait bientôt partir. En fait, tu peux pas mettre les autres types de fenêtres. Tiens, ça alors. Genre, le mec, il a su l'enlever, il fait. Ben, remets-la maintenant. Bah, le truc, c'est que c'est compliqué à remettre, et puis elle perd un peu au passage, quoi. Permise, elle a perdu que 1% au total, quand même, franchement. Ouais. Voilà. Slan le mécano, quoi. C'est marrant, on est surpris. Il faut des ampoules. Au moins, les phares, je devrais pouvoir les changer. Des ampoules, il y en a dans les stocks. Slan le mécano, il passe 3 jours à démonter ta caisse pour te dire « Non, mais finalement, il y avait juste... Il y a juste une bougie qui avait cramé. Puis c'est compliqué à remettre. C'est quoi une bougie en fait? Mais c'est le truc que t'allumes avec de la cire. On a 6 dans la voiture. C'est pour ça que les phares marchent plus alors, parce qu'il y en a plus. Parce que les bougies sont mortes. Voilà, voilà, voilà. Changé. On est bien là. Ah ouais, non mais on sent les mécanos de compétition là. La bonne ambiance. Vous allez voir, je vous mets des ampoules. Et puis des ampoules 100% d'état. Hein. C'est pas moi qui ai pété les phares. Hein. Super le mécano. Bon, par contre, je peux vous changer les ampoules. Hein. Ouais, merci. Attends, si tu veux que ce soit un vrai mécano, c'est je vous change les ampoules. 250 Attends, euros. Je vais les changer les ampoules parce que j'ai pris 6 XP en changeant les ampoules. Du coup, je vais les retirer. Normalement, il n'y a pas de risque de casse. Hein. Putain, il y a un bruit du moteur et tout, quoi. Je suis à combien là? 27. Si vous voulez, sur ma vue, j'ai entendu Slan qui fait je vais enlever les ampoules et là j'ai eu un rapport d'erreur du serveur. Ah ouais. Et j'ai fait Ah ouais. En fait, quand vous retirez les ampoules et vous remettez les ampoules, bah vous progressez. Bah je progresse à fond là. Jusqu'au moment où tu vas la péter quoi. T'as le mec dans le parking, tu sais, il enlève l'ampoule et remet l'ampoule. Mais il est juste les contacts. Je m'en occupe. Ça marche. J'imagine trop le mec, il met l'ampoule, il démarre. Toc. Ok, c'est bon, ça marche. Il enlève, alors, il retourne, il redévisse l'ampoule. Ah bah ça marche plus. Il retourne, il remet l'ampoule. Ah ça marche. Il faut la clé de la voiture pour enlever l'ampoule quoi. C'est complètement con. Bah, c'est pas ça. T'imagines ça dans la vie réelle, le mec il change 500 fois son ampoule et fait c'est bon, maintenant je peux démonter la bielle du moteur, y'a aucun problème. C'est clair. Mais Bon là je vais passer maintenant au. Qu'est-ce que je pourrais démonter? Le réservoir. Aussi t'en sers souvent le réservoir vitesse que quand j'étais épuisé quoi. C'est tellement triste. Ouais. Hein. Ça suffit pas de courir. Hein. Faut faire attention quand on descend de bagnole. Ouais, puis quand on descend des toits aussi, non? Allez. On va dire ça. N'est-ce pas? Bon ben coucou Spanier, comme on dit. Et n'empêche que c'est vachement gratifiant parce qu'à chaque fois que j'enlève et que je remets une épaule, en haut ça marque succès. Bravo, bravo. Je suis très très, ça me fait vraiment du bien. C'est du renforcement positif. Hein. Il fait quelque chose de bien. Niveau 2 en changement d'ampoule. Non, changement d'ampoule. Non, je vais me remettre en changement d'ampoule. Radio. J'ai un problème, je suis perdu en ville. Combien je gagne à enlever la radio? C'est cool. 51. 54, pareil, hein, je gagne 3. Alarme mettre et allons régler l'alarme là. Alarme off, c'est bon. Hop là. La batterie. Allez, je tente la batterie. Ça va pas faire un peu trop de bruit? Ça va faire un gros bzzz et puis il va crever. Terre. Et combien ça fait là? 63. C'est toujours 3. Le moteur. Ah, il me faut. Il faut 5 en mécanique pour changer un moteur, c'est nul. Ah, il s'est même pas fait électrocuter, je suis super déçu. Ah, il faut un cric pour enlever le pneu. Essayer de changer les pneus. Mais arrête, c'est la seule bagnole qu'on a en état, entraîne-toi sur une autre quoi. Je ne fais que des trucs à 100% de chance de succès. Non, tu t'entraînes sur une autre. Mais tu veux pas le faire sur la bagnole noire? T'as tout autant de chances de succès et tu défonces pas la seule bagnole qui est en état de fonction. Vous êtes vraiment méchant, comme si j'étais mauvais. C'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on est prévoyant. À une époque, il y avait une voiture ici, c'était la mienne, et tu l'as tellement défoncée qu'elle est plus là. Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai?
Bah, t'as des preuves. C'est une façon de, d'exprimer ton désarroi, mais en réalité, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour cette pauvre bagnole. Tu veux dire que t'as fait tout ce que t'as pu pour la démonter? Sur laquelle je dois m'entraîner... T'es pas médecin dans la vraie vie. Hein. Sur la noire, là, c'est ça? Où on n'a pas la clé? Vas-y, prends-toi sur la noire. C'est toujours les minorités qui passent en premier. On a plus de bagnoles blanches, c'est ça? J'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit ça. J'ai dit qu'on avait pas beaucoup de 4x4. On a pas beaucoup de 4x4, c'est clair. On a quoi? On a 3 bagnoles, c'est ça? C'est complètement le drame. Il y en a quelques-unes dehors aussi. Bon, j'ai récupéré des fusils à pompe. Yeah. Alors dehors, je peux pas m'entraîner. C'est un très bon souvenir pour moi. Faut surveiller. Le Dash Bull Driver, là. Ah, putain, je peux pas courir direct, quoi. Premier niveau de fatigue, je peux déjà plus courir. Oh là là, c'est le drame ce truc. Si tu veux, la voiture qui est dehors là, on a plus les clés du coup, mais. Bah, je vais m'entraîner sur la noire, de toute façon elle est vraiment en mauvais état. Je sais pas, tu vois. Capot 5%, pare-brise brisé, fenêtre brisée, phare brisé. Avant gauche, retiré. Alors je suis à combien moi? Je suis à 60. C'est une voiture. C'est complètement tout pété. Et là je suis à 66. Mais quoi que je fasse, je gagne. Je gagne 3 XP, moi. Change une ampoule, il gagne 3 XP, il démonte le moteur entièrement, il le remonte entièrement. Alors, pour enlever les freins, faut d'abord enlever le pneu gauche. Le pneu? Le pneu gauche. Je vais retirer un pneu gauche. C'est pas déconnant en même temps. Hein. Alors, et là, on me dit... Ferme porte. Porte. Ah, c'est le pneu avant droit que j'ai enlevé. Chance de succès 50, risque de dégâts 50. Ok, on va faire ça plus tard. La suspension 50-50. Qu'est-ce qui court là? C'est Damnet? Il en a marre! Damnet il court! Bah, je veux rien. Je veux reprendre un point en course, donc je l'entraîne. Et moi je peux même plus courir, t'as de la chance de pouvoir courir déjà. Ouais, mais je suis allé me reposer 5 minutes hein, pour pouvoir recourir. Alors, plutôt que faire des vraies courses, j'ai remarqué que faire du gauche-droite ça marche. Et que je leur mette le pneu peut-être. Oups. T'as cassé quelque chose? Non! J'ai entendu un gling de choses cassées. Je l'ai entendu aussi, hein. Tout à l'heure je l'observe. Je vous ai dit, c'est quand Katox il fait des trucs, on entend les sons de. Quand il fait lui. Bien sûr. Y a pas que les sons de Katox qu'on entend. Ouais. Mais c'était le siège. Mais j'ai pris un siège dont on se sert pas. Parce qu'il y a des sièges dont on se sert pas. Bah oui. On monte jamais en arrière à droite. Il était bien abîmé. Ah, c'est passionnant ce que je suis en train de faire. Ouais non mais va falloir qu'on se rebooste là, c'est pas possible. Bah justement c'est pour. Par contre non c'est chiant mais autant un point en course c'est vraiment le minimum pour moi. Zéro c'est vraiment la catastrophe. Ouais le point en course il vient très vite. Et ben les sièges figurez-vous que c'est génial. Il y avait un tout petit risque de les abîmer. Mais je prends 9 XP au lieu de 3 pour le coup. Mais du coup tu les as cassés. Non, je l'ai même pas cassé en fait. J'ai échoué, il est passé de 52 à 49% le truc. Le mec, il a mis des coups de tournevis dans le siège quoi. Tu te rends même pas compte du niveau qu'il faut pour faire ça. Bah si, je me rends bien compte puisque tu les casses. Attends, il est à 49, là je l'ai abîmé, il est resté à 49. Hein. Allez, ça va du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu ce début de relancement d'épisode dramatique. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous lamenter pour nous, et on se dit à très bientôt pour la suite. Bah, pour nous, je suis pas là. A plus! Pour ceux qui sont morts, lamentez-vous pour ceux qui sont morts. Ouais, merci, ouais. Merci pour nous.